Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Son nom est Philippe François, ancien officier de l'armée de terre, cadre supérieur, entrepreneur qui a servi pendant 25 ans son pays et qui est aujourd'hui incarcéré à Madagascar depuis, il faut le dire, presque un an, depuis le 20 juillet 2021. Il est incarcéré pour tentative d'atteinte à la vie du chef de l'État. Il y a eu un procès qui a bien eu lieu, mais qui est, selon les personnes que l'on va recevoir dans quelques instants, entaché d'irrégularité. Cet homme, cet ancien officier français, a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Il demande un pourvoi en cassation qui n'arrive pas. Et le voilà donc bloqué dans des conditions extrêmes dans ces prisons de Madagascar. Alors pour parler du sort de ce Français qui a l'air oublié des autorités françaises, nous sommes avec le vice-président de l'association Pour un retour de Philippe François. Bonjour Patrice Valentin. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de cette association, une association pour un retour de Philippe François qui a été initiée par les enfants de Philippe François et par ses camarades de promotion de Saint-Cyr. Alors racontez-nous exactement ce qui s'est passé depuis un an pour Philippe François à Madagascar. Voilà, donc Philippe a servi pendant 25 ans dans l'armée. Nous étions vraiment très proches à Saint-Cyr et en fait il voulait développer des entreprises à Madagascar. Et puis bon, pour différentes raisons, ça ne fonctionnait pas. Et au moment où il prenait l'avion pour son retour définitif en France, d'ailleurs pour le mariage de sa fille, et d'ailleurs il avait trouvé aussi un poste sur une nouvelle entreprise en France, il a été interpellé donc le 20 juillet, il y a donc presque un an, à l'aéroport, sur des preuves, sans preuves et sans éléments vraiment concrets, pour atteinte à la sûreté de l'État et finalement complot contre le président. Il y a eu un procès et à ce procès, on n'a pas trouvé de preuves. C'est-à-dire qu'il y avait une clé USB, mais avec des données qui étaient postérieures à son incarcération. Donc, il y avait quand même un petit problème qui se posait. Et puis, tous les éléments qu'on avait quand on regarde effectivement le procès ne correspondent pas. Alors, nous, de notre côté, nous voulons pas nous immiscer dans la justice malgache. En l'occurrence, je n'étais pas présent à Madagascar. Mais ce que nous demandons, c'est simplement l'application de la justice et du droit. Les conditions d'incarcération, déjà, c'est un premier point. Mais surtout que le gouvernement français, et en particulier le ministère des Affaires étrangères, fasse appliquer ce droit. S'il avère, suite à un procès équitable, que Philippe ait commis quelques délits ou crimes à Madagascar, la justice doit être faite. Pour le coup, on ne veut pas s'immiscer dans cette affaire-là. Par contre, il y a un véritable abandon du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de ses enfants. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de pression pour demander effectivement l'application de la justice. Et depuis, on est dans le flou complet. On a été très discret pendant longtemps, en se disant on va laisser faire la justice, nous sommes confiants, connaissant bien Philippe, connaissant son caractère, sa perspicacité, que voilà, ça ne pouvait être qu'un malentendu, et nous ne pouvons pas démontrer ce malentendu précisément parce que la justice n'est pas appliquée. Donc, voilà, aujourd'hui on a créé cette association, nous sommes en train de lancer une pétition voilà, sur le site soutenons-philippe.fr pour demander une mobilisation, parce qu'on a vite fait de se mobiliser pour des causes, voilà, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais là on a un serviteur un peu lointaine, de l'État. Oui. Voilà, un petit peu lointaine, un serviteur de l'État, et là on parle vraiment de droits de l'homme, on parle de justice, on parle d'application enfin, simplement du droit, et c'est d'autant plus symbolique qu'on arrive au 14 juillet, ça va être les 400 ans des troupes de marine, et donc Philippe était un officier des troupes de marine, il a commandé un régiment des troupes de marine donc avec brio, et là, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, appel au gouvernement pour faire appliquer le droit international et demander à ce que cette cassation survienne, parce que là ça va faire 6 mois, il est dans le noir, alors au sens propre comme au figuré, hein, parce que sa prison, il y a pas de lumière du jour, on est obligé de lui donner des lampes qu'il met sur une petite lucarne pour récupérer la lumière, enfin c'est des conditions Mais parlez-nous un petit peu des conditions, alors il est dans la maison, dans la prison qui s'appelle la maison de force de Sifaï et qui est nommée par, enfin qui est décriée par Amnesty International comme étant un enfer carcéral.
Oui, tout à fait. Donc là, on a la chance de pouvoir communiquer avec lui depuis quelques mois, mais jusqu'au procès, c'était complètement impossible. Donc on arrive à avoir des éléments. Il est sur 6 mètres carrés. Alors objectivement, aujourd'hui, il arrive à sortir quelquefois de sa cellule, mais pendant des mois et des mois, il est resté à l'isolement, dans le noir, filmé 24 heures sur 24. Ouais. Donc heureusement que c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, qu'il fait du Oui. sport. Faut être Là, c'est un petit solide, peu comme dans les films, hein. On oui. voit Oui. ces personnes qui font des pompes, etc. Il y a sa Oui. force spirituelle aussi qui va l'aider. Et il est totalement isolé. Et surtout, le plus difficile, c'est cette absence d'espérance. Les conditions sont très difficiles. À rigueur, nous sommes tous les deux anciens officiers. On a connu des conditions extrêmes, etc. On peut, à partir du moment où on sait pourquoi on y va, on peut les affronter. Mais c'est l'inconnu qui est absolument insupportable. Et sur cet inconnu, il est très clair que le gouvernement français a une responsabilité. Et pour lui, c'est ça le plus difficile, Bien de se sûr. raccrocher à des petites espérances, sans avoir le moindre élément sur quand est-ce qu'il y aura un procès qui va montrer effectivement qu'il n'y a pas de preuve, parce que pour l'instant, on n'a pas l'ombre d'une preuve. On a vraiment étudié avec ses avocats tous les éléments du procès. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien du tout, quoi. Donc voilà, c'est les conditions de détention. Elles sont physiquement difficiles, mais ça, à l'arrière, c'est comme ça. Mais par contre, moralement, inacceptable, parce que l'absence d'espérance, c'est ce qui est le plus difficile, quoi. Bien sûr. Et alors, pour revenir sur l'espérance, avant de revenir, pardon d'utiliser les grands mots, sur l'abandon, semble-t-il, des autorités françaises, d'abord sur l'espérance, n'oublions pas, chers auditeurs, que cette personne, pour le moment, donc qui n'a pas encore de date de pourvoi de cassation, enfin que le pourvoi n'est pas encore acté, en attendant, il est condamné à rester encore 10 ans dans de travaux forcés. Donc c'est 10 ans, alors qu'il a vous venez de le préciser, une fille notamment, une famille, c'est évidemment terrible. Donc ça, c'est pour le. Recording stopped. On a un problème avec l'enregistrement. Non, mais sinon, concernant les autorités françaises, comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y ait si peu de réactions? Je pense que ce n'est pas leur priorité. Médiatiquement, le sort d'un entrepreneur à Madagascar n'intéresse pas, n'est pas médiatiquement intéressant. Alors, il y a eu effectivement des circonstances qui se sont accumulées entre le Covid, la guerre en Ukraine, l'élection présidentielle et l'élection législative. OK, il y a eu d'autres priorités. Je crains malheureusement que ce soit le cas de beaucoup de Français qui sont à l'étranger, alors que c'est une des missions principales du ministère des Affaires étrangères, hein, Bien sûr. d'assurer la sécurité et la justice pour ses ressortissants. Voilà, c'est pas dans l'actualité politique. On est uniquement opportuniste sur des choses qui peuvent faire du buzz ou de la communication. Et là, on est voilà sur quelqu'un qui est insignifiant au regard Pardon, des je vais vous intérêts poser une quotidiens. question peut-être très, Oui. très, très naïve, mais il y a un consulat français sur place? Oui, il y a un consulat qui s'est engagé à venir le visiter toutes les 6 semaines. Alors déjà, vous voyez, c'est un mois et demi. Hein, vous voyez, un mois et demi, ça fait quand même déjà quelques journées dedans, et qui Oui. en fait, il va très peu hein, dessus. La dernière fois que sa fille a eu des contacts avec le ministère des Affaires étrangères, c'est eux qui lui ont demandé des nouvelles par le biais d'autres amis ou de son avocat qui vient le voir, etc. Donc on est complètement à l'inverse de ce Oui, qui dans devrait effectivement se un passer, schéma quoi. renversé, oui. Oui, alors je comprends qu'il y ait une situation politique qui soit compliquée à Madagascar. Hein. Bon, comme ça peut arriver avec d'autres pays, il y a des enjeux politiques et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons Et oui, de mais l'incarcération de c'est la Philippe, mais question ça que je ne voulais me vous regarde poser. pas. C'est Voilà. la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a aussi des enjeux politiques entre Madagascar et la France qui font que la France n'a peut-être pas trop intérêt aujourd'hui à intervenir. Est-ce que ça pourrait être une des explications? C'est possible et c'est bien possible parce qu'on a ce qu'on appelle les îles Éparses là-bas, qui est une zone territoriale française avec une revendication par Madagascar, donc sur la possession de ces îles. Ça peut être ça. Maintenant, je ne rentre pas. Enfin, je suis pas spécialiste, hein, du droit international, donc je ne sais pas exactement. Il est évident aussi qu'il y a des tensions politiques très fortes à Madagascar. C'est un pays où règne la famine, où il y a des difficultés économiques très importantes, etc. Où il y a des pressions politiques. Et voilà, c'est une réalité. Mais cependant, soit on est la patrie des droits de l'homme et on fait respecter les droits de l'homme, et en plus, encore une fois, on ne demande que ça. C'est un procès équitable, des dates de cassation, des éléments factuels qui permettent de dire évidemment où on doit aller, où on veut aller. Là. Et les enjeux politiques, si à chaque fois qu'il y a un enjeu politique, on Bien sûr. élimine tous ceux qui sont insignifiants, je veux dire, là, il ne faut pas parler des droits de l'homme, il ne faut pas parler de justice. C'est juste pas possible, quoi. Mais est-ce que c'est pas justement aujourd'hui ce à quoi la conclusion à laquelle vous arrivez? Est-ce que la France est encore capable de porter son titre de patrie des droits de l'homme et de défendre tous ses concitoyens?
Alors, je pense que la vraie question, c'est pas est-ce qu'elle est capable, c'est est-ce qu'elle veut. Parce qu'on est quand même une puissance internationale, je pense qu'elle peut. De toute façon, voilà, bonne devise, là où il y a volonté, il y a un chemin. Là, en fait, on n'a pas vu de volonté. Donc la capacité ne se pose pas. On verra après s'il y a effectivement des éléments vraiment objectifs de tentative de faire avancer. Et si effectivement le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères nous disait, écoutez, on a fait ça, en respectant le secret voilà, qui est propre à cette institution, hein, bien évidemment. Mais là, on pourrait effectivement se dire, on ne peut plus. Mais là, aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Et c'est bien une question du ministère des Affaires étrangères, parce que par ailleurs, nos échanges avec le ministère des Armées, il n'y a pas de problème. C'est, on voit bien qu'on est, on n'a pas de soucis pour évoquer en toute transparence avec eux, ce qui est normal, mais ce n'est pas leur job de parler de ça. Et là, je pense que c'est une question de volonté. Ce n'est pas médiatiquement intéressant. Allez, ça passe dans pertes et profits, c'est accessoire, c'est anecdotique. Et je pense malheureusement que c'est révélateur d'une politique de la communication immédiate qui, pour aller un petit peu plus loin, voilà, ça manque de vision et ouais, de vision à long terme, et de savoir ce que l'on veut et des valeurs qu'on veut défendre. C'est pourquoi aujourd'hui, et vous l'avez précisé au départ, hein, au départ, vous aviez décidé de rester silencieux sur cette affaire, peut-être pour que la France, les autorités françaises puissent travailler, on va dire, tranquillement, peut-être remettre des négociations à jour. Et vous voyez au bout d'un an que finalement rien n'est fait. C'est pourquoi aujourd'hui vous décidez d'intervenir et d'intervenir notamment dans les médias, chez nous mais ailleurs. Hein, vous êtes passé notamment chez Marianne. Et l'idée aujourd'hui, c'est de lancer une grande pétition, c'est bien ça, pour essayer de mobiliser un peu la population. Tout à fait. Et notre silence, il est lié aussi à notre formation. Bien Nous sûr. sommes officiers à la moitié dans les personnes qui soutiennent effectivement Philippe. Et on a fait confiance, vraiment, on a fait confiance. On s'est dit, OK, on va laisser faire. En plus, on maîtrise. On a beaucoup de spécialistes du droit Oui, international dans oui. notre promotion de Saint-Cyr par la force des choses. Évidemment. On s'est dit, on comprend la complexité et on va pas aller compliquer le travail du ministère des Affaires étrangères. Donc là, oui, effectivement, l'association pour un retour de Philippe François, la pétition donc sur Change.org, mais qu'on trouve sur notre site soutenons-philippe.fr. Et là, on voudrait vraiment une mobilisation massive. Et j'appelle tous vos auditeurs, effectivement, à se mobiliser à l'occasion du 14 juillet pour que le droit et la justice soient respectés et puis qu'on puisse reconnaître effectivement ces droits à cet homme qui est complètement injustement condamné, en tout cas dans la forme, encore une fois, je ne rentre pas, je n'ai pas d'éléments pour rentrer dans le fond, quoi. Oui, encore une fois, vous ne demandez qu'un procès juste et un procès déjà, enfin, avec Tout à fait. un droit à la cassation, d'autant plus que vous l'avez précisé finalement dans le dossier, dans le premier dossier, en première instance, il n'y avait absolument rien vraiment de sérieux, de crédible contre cet ancien officier. Eh bien écoutez, franchement, c'est désespérant pour le niveau de la France, et nous sommes de tout cœur avec Philippe François et votre association. Pour un retour de Philippe François, j'appelle tous nos éditeurs à se renseigner sur cette affaire et à signer cette pétition si ça les intéresse. Merci beaucoup, Patrice Valentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.